Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, on va laisser l'Apollon se reposer au fond de la mer, où qu'il qu soit. Euh, je, je vais tout de suite appeler en fait les héros de ce moment, les personnes qui ont rendu possible ce, ce moment qui est effectivement empreint de autant de poésie, d'émotion, de de, de de piste de réflexion. Euh, que de, ben voilà, que de, 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 de beauté euh, simplement laissée par le, par le paysage. Euh, voilà, euh, Nicolas Vadimoff, le réalisateur du film, et Béatrice Guelpa, la journaliste qui a collaboré à lui. On va vous donner un micro. Merci. Nicolas, Béatrice, bravo. Merci. Euh, c'est votre euh, troisième film sur la région, sur, la, sur gaza et ses, enfin ses environs. Hein, euh, en, en duo, tous les trois. Euh, depuis que vous avez commencé, donc vous avez fait l'accord, vous avez fait Aishin sur, le, sur la région. Là, là, on peut pas dire que ça s'est euh, beaucoup amélioré depuis, depuis que vous avez fait ces, ces premiers films. Euh, je voulais vous demander peut-être pour euh, une, une première question sur l'accueil, la, sur en fait, que, qui vous a été réservé. Vous arrivez à Gaza, c'est une zone de guerre, euh, les gens parlent de, de vie et de mort, et vous, vous venez pour dire, on fait une enquête sur cet Apollon, parce que ça nous paraît intéressant. Euh, quel, comment est-ce que vous êtes accueilli à ce moment-là euh, Sachant, ben, évidemment, comme on l'a vu dans le film, que c'est le, le Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis quelques années. Ben, on est accueilli un peu euh, étrangement dans le, dans le sens où euh, on le voit bien dans le film. Mm -hmm. euh... ouais, okay. bon. euh, quand on arrive on s'attend pas du tout à ce que le mot euh, de prononcer euh, le nom d'apollon ça soit, ça soit compliqué. donc euh, on était un peu surpris. Euh, le, le précédent film qu'on avait fait à Echine, euh, on avait été accueillis, on avait l'impression d'apporter un peu d'oxygène de l'extérieur, d'apporter euh, de l'espoir. Et puis là, quelques années plus tard, ben, on n'apportait rien du tout. Euh, on avait vraiment le sentiment que plus personne croyait qu'on pouvait aider, qu'un film pouvait aider, que des étrangers tout court pouvaient servir à quelque chose. Donc euh, oui, on était un peu surpris de l'accueil. Et le, le, la thématique elle-même, donc vous veniez non seulement pour, pour faire un film, mais précisément sur une question qui, qui a peu de rapport direct ou immédiat, intelligible comme ça, avec, le, avec la situation de guerre, avec la situation qui règne quotidiennement. C'était une, une situation assez, euh, assez paradoxale, parce qu'en même temps, comme Béatrice l'a dit, il y, y a un blocage et une crispation complète, mais qu'on peut bien évidemment comprendre face aux médias en général et puis nous même si on n'est pas un média et si on fait pas euh, du news ou du reportage, on est pris quand même quand on sort euh, la caméra, ben on fait pas forcément la différence. Donc il y a déjà cette crispation au départ qui fait qu'on perd tout le moment de spontanéité, euh, le, le moment documentaire, le moment de captation du réel parce qu'on doit toujours expliquer pourquoi on filme qu'on n'est pas contre eux. Euh, voilà. euh, une fois qu'on a expliqué ça, ça se passe très très bien. Euh, les rapports sont beaucoup plus détendus, mais alors après, quand on dit ce qu'on est en train de faire, euh, cette histoire d'Apollon, elle est à la fois euh, porteuse d'espoir, et c'est quelque chose dont les Gazaouis sont très très fiers, dont ils aimeraient pouvoir être fiers, et puis en même temps, elle est empêchée, c'est une histoire empêchée, je crois que c'est un film aussi beaucoup sur l'empêchement, tout est empêché à Gaza, la beauté est empêchée, l'histoire est empêchée, tout est empêché, donc il n'y a pas de possibilité. Pour les gens qui sont là-bas, de parler librement de cet Apollon, même s'ils en auraient envie, parce qu'elle est dans les mains de, de, du Hamas ou d'une faction avoisinante, et euh, qui, qui ont le contrôle sur Gaza, et qui, euh, forcément, dès qu'on approche cette question-là, les gens se crispent parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas en parler librement, comme on le voit dans le film. Donc c'était très compliqué de, de, que la parole se libère, et donc c'est la raison pour laquelle. On a dû beaucoup se confiner dans des intérieurs et aller chez les gens, filmer pour qu'ils ne puissent pas être entendus par les autres pendant qu'ils nous parlaient de, de l'Apollon. En même temps, on voit, c'est toujours difficile de faire les sous-titres d'un film, hein, puisque le, le film l'explique mieux qu'on pourrait le, le faire maintenant. Mais euh, on voit très bien que les significations de cet appelon sont innombrables hein, pour les gens, euh, pour les acteurs, les plus proches. Enfin, elles vont du, du matériel au quasi érotique hein, parfois, <laughs> et, et, et voir, voir, euh, enfin voilà, à la, à la, à la revendication d'un héritage, d'une histoire, dans une, pour, un, pour une population qui en a grandement besoin, évidemment. Euh, euh, quand vous avez vous démarré ce projet, est-ce que ces, ces significations elles allaient de soi ou bien est-ce qu'elles se sont euh, manifestées au fur et à mesure que vous avanciez dans le dans le tournage euh, Non, on, on a découvert plein de choses. Ce qui était clair pour nous, c'était que l'Apollon, enfin il me semble, hein, quand on on, a été le, on le cherchait, c'était euh, c'était une métaphore, ça allait être, c'était pas on s'attendait pas à revenir avec euh, Apollon dans les bagages. Euh, par contre, c'était une façon de raconter une nouvelle fois cette, euh, cet endroit, ce pays. Donc euh, on s'attendait bien à ce que ça raconte, par exemple, le blocus. Et ça, ça me semble assez évident. Est, effectivement, la mer, c'est euh, un rempart. Y a, tout est enfermé. Après, peut-être ce qu'on a découvert, c'était euh, que c'était aussi un conte. Euh, tout le monde croit l'avoir vu, touché, raconte mille autres histoires. Puis c'est ça qui était intéressant. Ça nous permettait de dépasser euh, la, la, le fait de raconter la région, mais ça racontait qu'est-ce qu'est la vérité, qu'est-ce qu'est le mensonge, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, enfin, d'aborder des thèmes un petit peu plus larges. Pour l'instant, votre film a été projeté en Cisjordanie. Mais pas, pas à Gaza, ou pas encore à Gaza, peut-être. Ben C'est une double question, en fait. Quel, quel accueil il a reçu en, à Ramallah quand il a été projeté ou à Bethléem Et puis, euh, et puis du, du côté du Hamas, comment est-ce que vous voyez leur, leur, leur état d'esprit face à ça Parce qu'on le voit bien, hein, l'Apollon fait à la fois partie de l'héritage de la bande de Gaza et d'une manière d'une certaine manière, de l'héritage dont se réclament aussi les Palestiniens eux-mêmes, Hamas y compris, et puis en même temps, on est dans une, dans une impossibilité d'incorporer cet, cet héritage pour, le, pour les islamistes du Hamas. D'abord, on a montré le film, on devait aller le montrer en Palestine, donc en Cisjordanie et à Gaza. C'était ça l'objectif du voyage qu'on a fait en octobre. On était invité dans un festival... À à, à Ramallah et, et Bethléem et puis euh, il devait y avoir deux dates de projection à Gaza, elles ont été annulées plus ou moins au dernier moment parce que les gens sur place et le consulat suisse qui coordonnait un peu tout ça ont estimé que le moment n'était pas propice et que les protagonistes, pouvaient être, les protagonistes du film pouvaient être amenés à être dans des situations un peu, un peu délicates et que ça allait réveiller sans doute bah justement toutes ces crispations et toutes ces tensions dont les gens préfèrent bah évidemment les garder un peu à distance euh, on, on était très déçus. En même temps, on a, on a, bien sûr, on n'a pas poussé parce que le plus important, c'était euh, la sécurité des gens qu'on avait filmés. Euh, et puis depuis, donc en, en, ailleurs, euh, à Ramallah et à Bethléem, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, je crois que ça a permis aux, aux, aux gens de Cisjordanie qui ont vu le film de revoir le, ce Gaza qui leur est interdit, euh, dans lequel la plupart des gens ne sont pas allés depuis très longtemps et même dans lequel beaucoup de gens ne sont jamais allés. Euh, ça a été des moments... Très 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 émouvant, des discussions passionnantes. Et puis depuis, on a appris que la situation maintenant semble un peu plus propice et qu'il y a des signes qui nous sont envoyés, comme quoi on pourrait maintenant aller le, le montrer. Voilà. Euh, bientôt, il y a des séries de projections qui sont organisées euh, donc on va, dans la région le film tourne beaucoup. Euh, il est au Liban dans, dans deux semaines. Euh, ensuite, il devrait être en Jordanie euh, ce printemps. Enfin, je pense plutôt cette. Fin mai début juin et dans la foulée on aimerait aller le montrer à Gaza et puis après il y a une, toute une autre série de projections en Cisjordanie et en Israël qui sont prévues aussi donc on verra bien peut-être une, une euh, enfin une question qui nous, qui nous taraude est-ce que cet Apollon 1 est-ce qu'il existe vraiment ou non Parce on n'a pas totalement la certitude et puis dans ce cas là bah, où est-il où est-il s'il est vous plaît dites-le nous alors, bon, tout d'abord, comme Béatrice l'a dit avant, avant de, de, de partir, on savait, tr... enfin, on, savait, on on se doutait bien qu'on ne le trouverait pas. Et même c'était ce n'était pas l'objectif du film, hein, l'enquête était plus un prétexte pour justement euh, sortir un peu du sentier battu et proposer un peu une autre réflexion, un autre regard sur Gaza et sur la, la région. Mais en, en même temps, euh, on avait vraiment envie de savoir où il était. Euh, plus ça avançait, plus ça se précisait. Euh, je dirais que les trois derniers jours avant notre départ de Gaza, euh, on commençait à avoir très précisément parlé et vu des gens qui l'avaient vu il n'y a pas longtemps, euh, et même certains qui en avaient des nouvelles très très fraîches. Il euh, y a... <rire> encore, encore. <rire> je dirais que ça pose, non mais ça pose toute la question de, du statut de Béatrice et, et moi, c'est-à-dire que... Euh, on, est, on, est, on a certes sans doute une part d'aventurière et d'aventurier en nous, mais euh, on n'est ni des explorateurs, ni surtout des trafiquants d'art. Euh, et il y a un moment donné où on sentait que si on changeait de casquette et qu'on arrêtait d'être cinéaste ou journaliste euh, et qu'on devenait peut-être passeur d'informations pour des gens qui pourraient l'acheter, on pouvait s'en approcher. Euh, moi, je dois vous avouer que j'ai passé une nuit euh, à très très peu dormir. Euh, on en a parlé beaucoup. Moi, bon. je me moquais de lui. Hein. <laughs> ouais. ouais, Béatrice pensait que bah, Béatrice voit les choses plus en noir que moi. On a, en que moi, je suis plus vert à moitié plein, plus vert à moitié vide, donc on se complète assez bien. Le vert est toujours un peu au milieu, comme ça. Mais euh, moi, je pensais que, oui, les informations qu'on avait, si on poussait un peu, on pouvait y aller. Mais ça voulait dire euh, y aller les yeux bandés, ne pas filmer. Euh, donc, finalement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt quand on fait un film. Et surtout... <laughs> On aurait pu le raconter à l'issue de la projection. Mais surtout, euh, je pense que ça nous aurait mis, euh, si on l'avait vu, si on avait été amené à le regarder, le seul argument serait été de dire qu'on connaissait des gens qui pourraient l'acheter. Et euh, par la suite, euh, il aurait fallu assumer cette, ça. Quoi. Donc aujourd'hui, euh, une, une année après être retourné, peut-être qu'on pourrait recevoir des coups de téléphone. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Vous l'achetez ou pas bon. Donc, on a préféré garder notre statut de. Ça aurait, ça aurait <laughs> fortement compromis un quatrième film sur Gaza. Ça aurait peut-être été plus <laughs> compliqué, oui, voilà. Donc, non, finalement, donc on ne l'a pas vue. Mais quant à savoir si elle existe, euh, moi, je crois que. En tout cas, personnellement, moi, j'aime bien cette idée, cet état comme ça de doute, de questionnement permanent. Euh, je ne sais pas si finalement c'est si important que ça. Voilà. Et le, le verre à moitié vide ben Heureusement qu'on ne l'a pas trouvé, parce que sinon on n'aurait pas fait ce film. Merci, merci à, tout, à enfin tous. Merci deux. à vous. Merci bien. Nous allons poursuivre sur la, sur la même thématique. Je vais appeler peut-être les, les panélistes du, du débat à venir me rejoindre. bien vous, vous asseoir Très bien. merci euh, je vais vous les, vous les présenter même si euh, vous les, vous les connaissez sans doute tous les tous les trois peut-être ici commencer par par monseigneur monseigneur euh, Najib donc vous êtes euh, Archevêque de Mossoul, archevêque très récemment con confirmé, en fait, hein, c'est tout, euh, très tout récent, très frais. Hein, nous, nous avons ici un archevêque tout frais venant de, de Mossoul. Ouais, ouais. Enfin, vous vivez à Erbil, mais euh, effectivement, vous êtes l'archevêque de Mossoul et de la, et de la région, qui, qui euh, intègre notamment une partie du, euh, du Kurdistan, ouais, plus au nord. Ouais. Très bien, à côté de vous, Géraldine Chatelard. Euh, vous êtes, euh, vous êtes euh, depuis des décennies et des décennies dans, la, dans cette région, dans cette même région. Où vous vous intéressez très près à toutes ces questions de patrimoine, euh, de patrimoine matériel, immatériel, et votre nom est très souvent associé à la, à la question des, notamment, hein, parmi beaucoup d'autres choses, à la question des, euh, des Arabes, euh, des Marins, comme on appelle les gens qui habitent dans le sud, euh, dans, les, dans la zone marécageuse du sud de l'Irak. Vous avez beaucoup travaillé sur la, sur la question. On en reviendra peut-être, à moins que d'autres sujets prennent le dessus, parce qu'il y a tellement de, de sujets importants et chauds dans cette région et hors de cette région que malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps d'en parler, mais enfin peut-être en, en passant. Et enfin, moi je ne veux, je, je, je ne veux pas estropier votre nom, Cordoula Drogé, Drogé, c'est bien ça. Donc vous êtes, vous m'avez dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup impressionné, chef de cabinet du président du CICR, waouh wow. <laughs> mais, mais aussi euh, enfin, directrice de l'unité juridique, est-ce que c'est correct Enfin voilà, vous vous, vous vous occupez notamment des questions de, de, de droit, et de, de, voilà, en, en lien notamment avec ces, avec ces questions. Et c'est important de savoir qu'il y a aussi un cadre et aussi une, voilà, une longue histoire. Vous êtes ici pour nous donner à la fois le cadre et une sorte de profondeur historique dans cette thématique de, de, de respect du patrimoine et de protection de ce patrimoine. Euh, très bien. Je ne sais pas si, si, euh, si vous voulez réagir peut-être au film, simplement. Euh, ce n'était pas forcément le. le la, le nœud de la question, mais en même temps j'ai l'impression qu'il euh, qu soulève tellement de thématiques qui ont à voir avec cette, euh, avec cette question et que le, cet Apollon est à la fois euh, bah voilà, une œuvre d'art mais aussi un enjeu à, 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 à tellement d'égards dans cette euh, question que c'est peut-être intéressant de passer... Euh, de passer par là. Peut-être la première question à vous aussi, est-ce est qu'il y a des, un cadre légal dans lequel il faudrait nous sauver cet Apollon oui. <laughs> Comment est-ce qu'on fait pour l'inscrire le, le, dans un cadre Alors, je pense que la première chose, peut-être euh, juste pour réagir à votre, à votre première question sur euh, est-ce qu'on est qu dirait quelque chose sur le film et en rapport avec ce qui se passe ici sur le panel, la discussion, c'est c'est que dans les situations de guerre, on, on entend souvent cet argument de dire mais est-ce qu'on doit s'occuper des vieilles pierres finalement alors qu'il y a des gens qui meurent Et je trouve que le film est en fait, en fait déjà la preuve par lui-même euh, parce qu'on voit que peut-être pas tout le monde mais il y a une, une, il y a une fierté des gens, euh, les gens, euh, pour eux c'est important le patrimoine culturel et euh, on ne peut pas je pense opposer cette question de dire euh, il faut sauver les hommes et pas les livres ou, ou les vieilles pierres parce que c'est totalement lié et euh, je trouve que cet Apollon, il est, enfin ce film surtout il, il, il symbolise ça parce que quand, euh, quand on voit par exemple euh, ce monsieur qui travaille dans, dans cette annexe de l'école biblique euh, on, on voit tellement que c'est important pour lui, euh, l'autre monsieur qui dit j'adore Gaza, et puis cet Apollon, il appartient ici, c'est notre histoire. Et par exemple, au CICR, quand on parle aux gens dans les conflits armés, c'est évident, ils nous parlent de, de leur identité, du, de, du sens d'appartenance euh, et de ces choses-là. Donc je pense qu'il faut vraiment être très très clair sur le fait que ça, c'est important, c'est quelque chose à protéger. Euh, et le droit international parce que vous demandiez sur le cadre juridique le droit international humanitaire l'a toujours fait, les codes de guerre je pense bien anciens l'ont toujours fait, si vous prenez Jérusalem par exemple euh, les instructions de Saladin qui étaient d'épargner justement le patrimoine culturel hein. il y a, il y a cette grande ça n'a pas forcément marché à tous les coups hein. ça ça pas... Pas... c'était ouais. ma prochaine c'était ouais. ma prochaine ce que j'allais dire prochainement, il y a ce, cette grande contradiction je pense que Toujours, il y a eu une reconnaissance. Je pense qu'il faut respecter le patrimoine culturel dans la guerre. Et toujours, il y a eu des bavures et il y a eu des, um, des violations à, à ces codes-là. Et aujourd'hui, euh, en tout cas dans le droit international moderne, je dirais en tout cas depuis euh, 1907, il y a toujours eu des protections du patrimoine culturel. Il y a et après, il y a eu la Convention de l'UNESCO de 1954. Euh, il y a eu beaucoup de protocoles par rapport à ça. Et donc, le cadre juridique aujourd'hui, y compris le droit international pénal, donc le fait que les attaques contre le, le, les biens culturels euh, sont des, peuvent être des crimes de guerre, tout ça est totalement consacré. Il y a une, vraiment un cadre juridique très complet. Mais le grand défi qu'on a, évidemment, c'est comment faire respecter ce cadre. Euh, il, il y a parfois des solutions. <laughs> il y a parfois des solutions euh, personnelles, euh, euh, Monseigneur. Vous êtes euh, non seulement archevêque, mais vous êtes aussi euh, sauveur de trésors, et c'est comme ça qu'on vous qu'on vous connaît. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous raconter cette euh, cette histoire qui vous a fait connaître dans le dans le monde entier et qui est digne aussi d'une une sorte d'aventure de, de, extraordinaire hein, de, de, enfin, qui, qui mériterait un film à elle toute seule. Euh, Redonnez-nous le, le. Enfin, je vais vous redonner vite le, le cadre. Donc, nous sommes à, à Mossoul, dans, le, dans la deuxième ville irakienne après Bagdad, et l'État islamique s'approche. Euh, euh, Michael Najib est, à, est possesseur ou détenteur d'un trésor. Euh, sur place, qui consiste en des centaines et des centaines de manuscrits, d'œuvres uniques, de, 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 enfin, voilà, qu'il a minutieusement répertorié, qu'il est en train de numériser, et euh, qu'il faut, euh, qu faut défendre face à l'État islamique qui s'approche. Je vous laisse raconter la suite. En tout cas, un très grand merci pour euh, les réalisateurs, ceux qui ont vraiment présenté ce film extraordinaire, ça m'a touché profondément. Et je me suis senti un acteur parmi, euh, parmi euh, ces acteurs. Et puis, c'est tout à fait dans le contexte dans lequel nous vivons en Orient, et au Proche et au Moyen-Orient aussi, c'est le berceau de la civilisation, il faut savoir. Hein. Et je suis né dans une ville qui est Ninive, rien que ça, qui est Moussoul. Et euh, sentir justement le patrimoine, c'est quelque chose inné et euh, je parle un petit peu aussi des taureaux ailés que nous avons là-bas, les lamassos et c'est un, un trésor de l'humanité entière c'est vrai ça remonte au 12e 3e millénaire avant Jésus Christ et trouver ce taureau ailé extraordinaire découpé en morceaux par, euh, par l'état islamique par les euh, Daesh et emporté on ne sait pas où exactement d'une manière discrète c'est quelque chose de vraiment triste. Donc trouver et laisser ce patrimoine sur place dans leur contexte historique, c'est merveilleux. Mais je me pose la question: si ce contexte historique actuellement n'est pas euh, adéquat pour garder ce patrimoine, ben, il faut savoir où les garder. Les enfoncer dans, dans le sable ou dans la mer, à mon avis c'est triste. Et en même temps, les trouver dans les plus beaux musées du monde, comme Louvre, ou à Berlin, ou à Pergamon, ou à Londres, ou ailleurs, où j'ai visité un peu tout, ça me, ça me donne le, le frisson, en fait, de trouver, surtout par exemple pour la porte d'Ishtar, de hein, euh, la trouver à Pergamon, j'étais épaté comme ça, la bouche et les yeux ouverts, très grands. Et je me suis oublié, je commençais à m'approcher comme s'il y a une attraction qui commence à me tirer pour entrer dans cette porte. Et voilà, une, une jolie policière se jette sur moi. Arrêtez, arrêtez, monsieur, n'approchez pas. Alors, il y avait un autre prêtre à côté de moi. Elle dit, madame, vous savez, c'est sa porte ici. <laughs> voilà. C'est à lui. <laughs> c'est à moi. Elle dit, oui, d'accord, mais, mais quand même, c'est un musée, il ne faut pas s'approcher. Je ne pouvais plus m'arrêter, je m'approche à peu près de deux mètres à peine, donc il y a le, le bar, etc. Donc pour dire, j'étais vraiment tellement pris euh, par les tripes hein, pour ces couleurs extraordinaires, plusieurs milliers d'années, euh, tout cela c'est quelque chose d'un trésor. Mais en même temps, euh, je me réjouis que ce trésor est vu par le monde entier. Et si c'était sur place, moi je suis sûr que les gens de Daesh aujourd'hui l'auraient cassé détruit complètement et cassé les têtes des <coughs> uns des autres avec cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous En tout cas, j'ai choisi de dire quelque chose. Ça m'arrivait au Louvre, justement, quand j'étais devant la stèle d'Amorabi, donc 1800 ans avant Jésus-Christ, et c'est écrit en cuneiforme. C'est la langue, la première langue justement en Mésopotamie. Et voilà, euh, Dieu donne à Morabi la, la stèle, les premiers lois. Hein. Euh, imaginez, ce n'était pas pour préserver la loi des êtres humains, mais aussi les animaux. Euh, la nature, c'est très euh, de l'agriculture, et puis en même temps euh, la vie quotidienne, etc. C'est formidable tout ce qui a été écrit là-dessus. Donc c'est un, un mètre, 80 ou 2 mètres à peu près, la stèle. Donc j'étais aussi épaté devant euh, cette, cette stèle extraordinaire que je l'avais jamais vue pour la première fois. Et alors, euh, je ne savais plus à quoi faire ou à quoi dire. Je me suis incliné devant cette stèle, pour la première fois, j'adore Dieu, mais je me suis incliné devant cette stèle, et j'ai dit « Merci les voleurs qui l'ont amené ici <laughs> ». Merci les voleurs qui l'ont amené ici. Effectivement, je les ai remerciés. Bon, un voleur, c'est un voleur. Mais quand même, faire euh, <laughs> une œuvre comme ça, très, très beau, pour le montrer au monde entier. Moi, je suis pour un monde sans frontières. Vraiment. La statue, appelons ailleurs, un monde sans frontières, c'est important. Que ce soit au Louvre, à Londres, ou à Babel, ou à Mossoul, à Ninive, n'importe. La chose la plus importante, c'est qu'elle soit vue et su et connue par le monde entier. Et c'est ce que je fais pour les manuscrits où nous avons sauvé. J'ai numérisé plus que 8000 manuscrits euh, jusqu'à maintenant, dont certains remontent au 10e et XIe siècle, des parchemins. Et ces parchemins, quand je les numérise, quand je les restaure, je dis merci les moutons que vous avez donné votre peau pour nous. Et c'est ça l'humanité, ce n'est pas le lieu qui compte. L'importance, c'est le savoir. C'est un trésor euh, humain, c'est un trésor international. Je n'ai pas le droit de garder un manuscrit pour moi. Et j'ai pris qu'en principe, depuis mon entrée dans l'ordre dominicain euh, en 1980, pas avant Jésus-Christ, bien sûr, hein. euh, et j'ai dit, je ne laisserai pas un manuscrit caché. Un manuscrit caché, c'est un livre mort. Une fois numérisé, il devient immortel. Donc c'est ça l'idée, c'est de. Pour moi, Apollo n'est pas mort. Ce que vous avez montré de, dans votre film, excellent film, c'est pas mort. Une fois qu'on a pris euh, une photo pour Apollo, il est devenu immortel, même s'il est foncé dans la mer et dans le sable, n'importe. Vous savez, euh, il y avait tellement. Euh, des gens, des, des archéologues qui sont venus fouiller partout dans, dans, en Irak, depuis le nord jusqu'au sud. Et tous ces gens-là, ils ont pillé, ils ont pris, ils ont enlevé, ils ont amené, etc. Et vous savez, autant qu'il y a des pièces d'art archéologiques dans le musée du monde, il y en a presque autant au fin fond du lit de Tigre et de l'Euphrate. Pourquoi Parce qu'ils les emportaient, bien sûr, il n'y avait pas d'avion à l'époque. Et euh, la voie terrestre, c'était très dur. Donc, euh, la voie de, euh, maritime, donc, il, il les amenait. Et très souvent, les voleurs, pour les, euh, qui commençaient à rentrer donc, dans l'eau, sous l'eau, et commençaient à percher le radeau et les, les outres, comme ça, pour faire foncer cela et piller ce qu'ils pouvaient veiller. Donc, les plus belles objets d'art que nous avons en Mésopotamie se trouvent dans le lit des fleuves, Tigre et Euphrate et une société euh, étrangère, sans citer le nom, euh, a proposé à l'époque de sa dame de nettoyer le lit du de tigre depuis le nord jusqu'au sud gratuitement. <rire> <rire> voilà, <des, des>, <laughs> c'était de bonnes bon, intentions. Et alors, ils sont venus, ils ont dit on va tout faire gratuitement et ça sera un fleuve euh, international, euh, pour, euh, voilà, un lieu de touristes, etc., à condition qu'on prenne tout ce qu'on voit. <laughs> Et Saddam, malgré tout ce qu'il avait, il a, il, il a interdit ça. <laughs> malgré tout. Donc, pour moi, à mon avis, le patrimoine ne doit pas être local. Il doit être préservé par n'importe quelle main, mais l'importance qu'il devient humain. Et c'est pourquoi c'est important aujourd'hui de dépasser les frontières religieuses, euh, traditionnelles, tribales. Euh, local, etc. pour faire un monde meilleur, un monde ouvert de la culture et, et ça fait partie de l'art. Donc l'art n'a pas de frontières, la musique n'a pas de frontières, euh, l'histoire n'a pas de frontières non plus. Hein? Donc j'espère si on peut travailler tous main dans la main, on pourra faire un monde de paix, un monde meilleur que celui d'aujourd'hui. Merci, merci, beaucoup. Géraldine Châtelard, lorsqu'on évoquait un peu le débat euh, en s'envoyant des messages, vous me disiez, oulala, là là, oui, oui, il y a les vieilles pierres, mais ce n'est pas le plus important parce qu'il y a encore le patrimoine immatériel euh, qui doit aussi être euh, ben voilà, soumis à protection, qui doit être intégré dans cette, dans cette protection et cette réflexion générale sur, le, sur les biens de l'humanité. Euh, J'avoue que j'ai dû me renseigner un tout petit peu, j'ai regardé un tout petit peu la liste de ces, euh, de ces non pas objets, mais enfin choses immatérielles qu'il s'agit de, de préserver. Euh, je, je vois notamment bah, la place Fna au Maroc, euh, non pas pour la place elle-même à Marrakech, mais, le, mais pour son, son, voilà, sa, sa culture, sa vie, son état. C'est ce voyage que représente le simple fait d'y de, de, être. Euh, je vois les dessins de sable du Vanuatu. Waouh! Des dessins de sable hein, qui doivent rester euh, protégés par, le, par les, les textes légaux, notamment. Et, et plus près de nous, les, les chants en Corse, euh, le flamenco ou bien le, le, les repas de la gastronomie française, qui sont un bien immatériel. Euh, euh, effectivement, mais est-ce qu'on est qu n'en fait pas un tout petit peu trop Est-ce qu'il s'agit de, 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 ben de préserver absolument tout et de, de ne rien laisser changer quoi Merci Louise. Je vais, je vais répondre à votre question, mais je vais y arriver de ma manière, à moi. Euh, merci pour le film, Nicolas et son équipe que j'avais déjà vu une première fois, c'était vraiment un plaisir de revoir une deuxième fois. Euh, c'est très riche et puis c'est une manière euh, vraiment intéressante d'aborder Gaza, sa fermeture, euh, mais aussi justement cette relation à la culture et à l'histoire. Alors sauf signe, euh, monseigneur me contredit, mais moi j'ai fait très attention à ce qui se disait en arabe. Je sais bien que les films sont montés et que donc il y a des choses qui n'apparaissent pas à l'image et qui ont été dites euh, lors de lors, lors, lors du travail de, de filmage, mais les interlocuteurs Gazaouis euh, n'utilisent pas une seule fois en arabe le terme qui veut dire patrimoine, tourath en arabe, pas une seule fois. Hein. Euh, les gens parlent de l'histoire, y compris les archéologues, les deux archéologues gazaouis qui sont interviewés. On parle de l'histoire de Gaza, mais on ne parle pas du patrimoine. Alors, comme le faisait remarquer mon voisin, que je ne vais pas nommer là, d'abord, le terme patrimoine, en français, c'est un terme très problématique, c'est un terme qui renvoie au patriarcat. Il faudrait dire matrimoine, aussi bien que patrimoine. C'est pas moi qui l'ai dit, Mais, mais oui en anglais, on dit heritage, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, en arabe, le terme touras, c'est aussi un terme qui veut dire ce. Voilà. Waras, c'est quelque chose qu'on a hérité, dont on a hérité. Alors, ça me permet d'aborder euh, la question que Louis veut me faire aborder. Mais il euh, y a, y a très, de manière très patente, en particulier, mais pas uniquement, dans les pays de culture majoritaire musulmane, je dis bien majoritaire parce que il y a des communautés chrétiennes et autres et d'autres euh, euh, religions, mais qui sont quand même inscrites dans une histoire musulmane et dans une culture musulmane, euh, il y a un échec patent majoritairement de l'idée de patrimoine universel. C'est pas les seuls pays où il y a ça, mais c'est très patent là. Alors moi ma question c'est pourquoi est-ce que c'est si problématique pour les populations? et je ne parle pas des élites, parce que dans le film de nicolas, on voit surtout les élites. et les gens qui ne sont pas les élites, pour eux, c'est assez clair que cet apollon, c'est pas du patrimoine. Hein. c'est un objet qui peut être un bel objet esthétique, mais c'est surtout un objet marchand à valeur marchande. pourquoi est-ce que c'est si problématique dans ces pays-là de euh, euh, faire adhérer la majorité des gens a l'idée d'un patrimoine universel. Donc on va commencer par ça. Si on s'en si réfère aux textes légaux, il y a la Convention de 1954 de l'AE qui protège les biens culturels en, en période de conflit il y a d'autres euh, euh, instruments internationaux il y a la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine matériel, sur le patrimoine mondial. Et puis il y a d'autres conventions qui, qui protègent les biens culturels. La définition du patrimoine dans ces textes, c'est une définition qui a été très critiquée comme étant eurocentrée. Je ne dis pas occidental, je dis bien eurocentrée. C'est des biens matériels, c'est des objets, c'est du monumental. Voilà, c'est une définition de ce que c'est le patrimoine qui est une définition objective définie par des historiens, des archéologues, des experts, etc. etc. Est-ce que tout le monde se reconnaît nécessairement dans cette définition du patrimoine Est-ce que pour des tas de gens qui ne sont pas des élites, hein, y compris dans les pays européens et occidentaux, ça, euh, euh, cette définition-là du patrimoine englobe tout ce que les gens estiment être la culture collective qu'ils ont héritée de génération en génération, qui continue d'ailleurs à recréer, qui fait partie de leur identité. Il y a toute une partie du patrimoine qui n'est pas euh, inscrite dans ces textes-là. Le patrimoine, il n'est pas unique et il peut être tout aussi bien universel que particulier. Donc, c'est à partir de cette réflexion-là hein, que le, le concept de patrimoine culturel immatériel a été. Euh, euh, développé dans les instances internationales comme l'UNESCO, où euh, il y a eu euh, tout un travail qui a été fait pour un jour, enfin en 2003, à reconnaître officiellement aussi que ce patrimoine immatériel, euh, il a de la valeur. Il n'a pas une valeur universelle, mais il existe. Tout le monde, ou les, tous les groupes humains, toutes les sociétés humaines, ont euh, des cultures particulières qu'ils estiment importantes pour leur identité à transmettre à leurs enfants. Euh, et euh, ce patrimoine-là, il mérite d'être reconnu au même titre que le patrimoine euh, matériel, monumental, euh, etc. Donc c'est de là que ça vient, ce concept. Le patrimoine immatériel, il n'est pas inscrit dans les textes euh, du droit humanitaire international. Hein. Euh, ce qui peut être protégé, c'est les, les musées, par exemple, ou les, les, la, la, là où certains objets qui sont rattachés au patrimoine immatériel sont, sont, euh, sont conservés. Mais donc, la liste que vous donnez, Louis, c'est pas euh, en, en temps de guerre ou en d'autres temps, il ne s'agit pas de, de sauvegarder le repas gastronomique des Français ni euh, les, 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 les dessins de sable du Vanuatu. Mais si les gens sur place ont envie, eux, de, de promouvoir et de transmettre ce patrimoine, il a droit aussi à un certain degré d'attention, en particulier dans les pays où, où il se manifeste. Voilà. Très bien. Mais, mais au-delà de, de, de cette euh, reconnaissance, est-ce que ça ça a une qu'on peut assister à une sorte de course à voilà à faire reconnaître son mode de vie, son son euh, son enfin voilà. Mais on, il, il peut y avoir d'innombrables calculs politiques derrière, d'innombrables euh, biais de toutes sortes, etc. C'est très difficile de se lancer dans cette sorte de catalogue universel. Mais mais le patrimoine euh, euh une dit universelle, le patrimoine mondial, lui-même est l'objet d'une course extrêmement politisée. Le patrimoine, c'est un objet politique, que ce soit le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel. c'est des objets politiques dans le sens où on s'en sert pour prendre du pouvoir, pour contester du pouvoir, c'est tellement politique, d'ailleurs, qu'il y a des groupes qui s'en saisissent pour le détruire. Hein c'est pas un hasard si le patrimoine est ciblé. C'est bien qu'il a une valeur politique. Euh, donc oui, le patrimoine immatériel, le patrimoine naturel aussi, hein, c'est encore une autre catégorie de patrimoine. Bien sûr, on peut dire qu'il y a une, une inflation, mais cette inflation, euh, c'est une, une inflation sur la notion même de patrimoine, sans aucun doute. Prenons peut-être un, un exemple très concret, c'est ce qui s'est passé euh, autour de Palmyre et à Palmyre même hein, lors de la, de la guerre en, en Syrie. On a bien vu que le, le, bah, ça, ça, la, les batailles qui avaient lieu à cet endroit suscitaient d'abord beaucoup plus d'intérêt euh, euh, ici et ailleurs, au-delà de la Syrie, que dans d'autres villes. Mais on voyait aussi très bien le... le, le le pouvoir pour les uns et les autres d'être actifs dans cette ville hein, et tout l'enjeu symbolique que ça, que ça euh, amenait de part et d'autre. Peut-être une, une question pour le CICR comment est-ce qu'on gère précisément une, une situation comme celle de Palmyre, où des gens, encore une fois, il ne s'agit pas de faire la, la, le dilemme entre la vie humaine et, et le patrimoine, puisque les deux vont de pair, mais là, il là y a urgence. Euh, euh, visiblement, ce terrain-là est choisi en partie à cause de sa signification, précisément, euh, quelle est la priorité qu'il faut, euh, qu faut donner pour une organisation comme le CICR à ce moment-là bon, En, en l'occurrence, le gouvernement syrien a évidemment euh, et, et beaucoup essayé de, de sauver euh, du patrimoine, enfin le, des, 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 euh, des biens. Euh, euh, avec l'avancée du, euh, du euh, l'État islamique, donc ils ont sorti des camions et des camions, ils ont couvert des mosaïques de, de terre battue pour pas qu'elles soient trouvées, etc. Et puis euh, il faut je, la chose que je voulais juste rajouter à ce que vous disiez, c'est vrai que il y a une, une bataille politique et symbolique, mais il y a aussi un enjeu financier évidemment énorme autour de Palmyre et autour de tous ces biens culturels que ce soit en Syrie, en Irak ou ailleurs. Alors pour, le, pour, pour les organisations humanitaires, ça dépend toujours un peu de, de ce qu'on peut faire dans le moment. Et très souvent, en fait, dans le moment même, une fois, une fois que les hostilités ont vraiment commencé et qu'il y a de la destruction, c'est déjà un peu tard pour nous parce qu'on n'est pas armé, on ne peut pas rentrer là-dedans non plus et puis aller sortir les choses. Et je pense qu'il faut, faut vraiment insister sur le fait que la, la protection... Des biens culturels elles, en guerre, elles commencent avant la guerre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer déjà de répertorier, euh, de sauvegarder, de prendre les mesures pour, euh, pour, déjà pour le localiser, euh, etc. Nous, ce qu'on fait beaucoup, par exemple, en amont, euh, c'est beaucoup de capacity building, par exemple, sur les lois, sur les formations des, des militaires, aussi des groupes armés non étatiques alors évidemment il y a groupe et groupes. il y a des groupes avec lesquels on peut parler il y en a d'autres avec lesquels on, auxquels on n'a pas accès peut-être une chose à dire aussi c'est que récemment peut-être les, les, grands, les grands cas qu'on connaît sont plutôt des cas où ce sont des groupes qui s'attaquent délibérément à du patrimoine culturel donc l'état islamique étant un peu en ce moment ce qu'on sait le plus mais je veux dire n'est pas toujours des groupes ça a souvent été des états si vous pensez juste à l'Allemagne ou autre donc je pense qu'il faut aussi faire très attention à dire on est on est à l'abri ni de l'un ni de l'autre mais donc pour, pour répondre plus concrètement donc en amont beaucoup de travail une fois que le conflit est déclenché alors il y a eu maintenant une, une initiative très intéressante parce qu'il y a eu maintenant une grande stratégie de l'UNESCO partenaire pour pour protéger mieux les biens culturels en situation de conflit armé alors il y a l'idée par exemple d'avoir beaucoup plus ressort à par exemple l'imagerie satellite c'est ce qui se fait beaucoup au Yémen en ce moment par exemple pour pouvoir regarder ce qu'il y a ce qu'on appelle aussi ça s'est fait en Libye les, il y a les organisations et des musées qui se sont mis ensemble pour donner à l'OTAN les des biens culturels dans ce qu'on appelle les no-strike lists, c'est-à-dire pour la guerre aérienne, pour qu'ils ne frappent pas euh, ces, ces endroits-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Après, il y a une nouvelle idée aussi de l'UNESCO, qui a été un peu embryonnairement euh, testée en Syrie, c'est de faire un peu des, des zones neutralisées ou non militarisées. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, il, il faut l'accord de toutes les parties. Et puis en Syrie, que ce soit pour les hôpitaux ou pour les biens culturels, souvent ça ne fonctionne pas. Mais donc il y a quand même des pistes. Nous aussi, évidemment, on intervient souvent. Vous savez, on a notre manière de travailler, elle est bilatérale et confidentielle. Donc il nous est aussi arrivé, je dois dire pas assez souvent, mais il nous est arrivé aussi d'intervenir auprès des parties au conflit, par exemple en Afghanistan, maintenant au Yémen. Euh, aussi pour alerter, pour dire, ben voilà, là par exemple, il y a une vieille ville protégée, euh, vos troupes s'en approchent, faites attention, etc. Donc il y, a, il y a des choses à faire. Il y a des moyens. Ouais, ouais, ouais. le, le, Peut-être pour, pour euh, enchaîner encore avec Palmyre, ce qu'on a vu aussi, c'est une... Euh, très vite, des archéologues ou des spécialistes qui disaient, en gros, vous ne faites pas de soucis, on peut reconstruire tout ça. Quoi. Le, le, euh, on, on arrivera à surmonter cette... Euh, ces difficultés, puis maintenant on a les moyens de, le, de, de refaire ça presque à l'identique, voire mieux, encore mieux que, que, que l'original. Je, je caricature un peu, mais c'est un tout petit peu le sentiment qu'on a. Finalement, on est arrivé à un degré de connaissance et de technologie qui fait que tout ça, c'est pas bien important. Monseigneur euh, Najib, parlez-nous de l'importance de, 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 des vieilles pierres. Qu Qu'est-ce qu que, pourquoi est-ce qu'une réplique? Euh, aussi, euh, aussi euh, belle soit-elle aussi aboutie de, de, du, de Palmyre n'est pas la même chose que, que ce que vous possédez vous enfin, avec, et, et, et que vous vous faites prospérer avec ce soin si méticuleux qu qu'est-ce qu que ça contient En fait le patrimoine en soi euh, a de la valeur parce qu'il euh, parle du passé et c'est vrai le passé est passé mais il est, euh, je crois, potentiellement, il est pour le présent et pour l'avenir. Euh, un arbre sans racines, c'est un arbre mort. Et donc, euh, un peuple sans culture, c'est un peuple qui manque quelque chose. Hein. C'est un peuple, voilà, il peut devenir comme une marionnette. Et puis aussi, le, le passé, le patrimoine sans l'être humain n'a pas beaucoup de valeur non plus. Et moi, quand je vois tous ces objets de valeur, ce soit des manuscrits, qu'il soit des parchemins, qu'il soit aussi des documents intéressants de 400-500 ans, et aussi les pièces d'art qu'on trouve dans le musée Pour moi, ça reflète un petit peu notre passé. C'est pourquoi l'État islamique et spécialement euh, Daech, donc on, on, on le dit bien, euh, il n'est pas, il n'est pas neutre. Hein. Et ce qu'il fait, Daech, ce qu'il a fait pour notre patrimoine, c'est pas très catholique d'ailleurs. Hein, Bon, c'est euh, important aujourd'hui de comprendre pourquoi Daesh a fait cela et d'où vient Daesh. Il n'est pas un extraterrestre, euh, il n'est pas descendu du ciel brusquement. Donc, c'est un, une accumulation de fanatisme, de fondamentalisme, de, de violence, euh, puis aussi de l'injustice qui se passe sur place qui a poussé ou, ces gens-là à commettre euh, ces crimes où ils ont été aussi télécommandés par d'autres. Donc il y a, euh, en arrière-fond, il y a toujours des projets politiques ou des commerces. Donc aujourd'hui, euh, ça m'a frappé énormément, et merci de montrer cela, euh, Apollon qui dit 500 millions de dollars, un milliard de dollars, etc. Et il n'avait même pas le prix d'un sandwich pour le manger. Où se trouve la justice Donc quand on voit le Moyen-Orient aujourd'hui, un des pays les plus riches, par le pétrole, par le, le patrimoine, etc. Et regardez les êtres humains sur place, je vous assure, ils mangent des, des tomates pourries dans, dans la poubelle. Et c'est pas juste. Le, un mètre carré le plus euh, cher du monde entier, c'est à Aymara. Vous connaissez Aymara. Et euh, il y a de, de mercure rouge, qui est plus cher que l'or, plus cher que le pétrole et l'homme le plus pauvre dans le monde habite, habite sur ce, ce mètre carré où se trouve la, la justice. Donc aujourd'hui, si on veut protéger le patrimoine, il faut protéger l'humain aussi. D'où j'écris ce livre sauver les livres et les hommes, sauver la culture et aussi les êtres humains. Donc pour être juste, il faut donner, il faut valoriser d'abord l'être humain pour valoriser aussi son histoire. Et les deux ensemble, ça marche en paire. Donc aujourd'hui, euh, il faut faire justice quand même. Et, et je dis très souvent, euh, les pays européens, merci de mentionner cela, parce qu'il y a beaucoup de, de pays qui vendent des armes. Le marché d'armes aujourd'hui, c'est quelque chose de, de, de faramineux dans le monde. Hein. Tout le monde se bat pour vendre. Donc autrefois, on inventait des armes pour résoudre le problème des guerres. Aujourd'hui, on invente des guerres pour vendre des armes. Qu'est-ce que ça veut dire ça Donc c'est injuste. Injuste aujourd'hui. L'être humain est victime de ce que nous avons. Et j'entends très souvent, à juste titre, beaucoup de gens disent, mon père, vous savez, euh, oh, c'est de la malheur d'avoir l'or noir chez nous. On aurait préféré de ne pas l'avoir plutôt que de, de mourir de faim et, euh, sur une terre très riche. Donc aujourd'hui, à vrai dire, on essaye toujours de, de, de sauvegarder les deux. Pourquoi on vend des armes dans ces pays-là et on pioche pour amener ce, ce patrimoine qui est très bien euh, mondialement Mais pourquoi on ne vend pas les valeurs La France, on sait que le premier pays qui a acquis la liberté euh, en versant des, des fleuves de sang, pourquoi aujourd'hui on ne vend pas la liberté, l'égalité, la fraternité dans ce monde-là. Pourquoi on travaille pas dans l'éducation Parce que la violence Daesh, c'est l'obscurantisme aujourd'hui. Donc on ne peut pas combattre l'obscurantisme que par l'éducation. Si on commence à construire des écoles, construire l'esprit, hein, avant de construire les pierres, parce que si on construit les pierres sans construire l'esprit, euh, on va se casser la, la tête des uns des autres donc aujourd'hui il faut commencer par l'éducation donner la culture euh, leur comprendre qu'est-ce que ça veut dire la liberté ou la démocratie bah, vous savez un bébé un enfant on ne peut pas lui donner de, à manger du boudin hein, euh, <laughs> ou manger euh, je sais pas de la choucroute j'en sais rien et alors il faut lui donner du lait d'abord il faut leur, leur donner cette éducation primaire au moins déjà pour casser les frontières entre les êtres humains, de ne plus parler musulman, chrétien, juif ou athée ou autre, parler de l'humain. C'est important aujourd'hui effectivement de dépasser ce qui nous emprisonne. Et Daesh, vraiment, ce sont des, mus des pauvres musulmans euh, emprisonnés dans, dans cette idéologie. Si on veut les aider, on ne les aide pas en les tuant, on les aide en les éduquant. Au lieu de leur dire qu'il faut couper la main d'un voleur, aujourd'hui leur dire il y a autre chose pour l'éduquer. Donc l'éducation va, va construire un monde meilleur, certainement. Mais malheureusement il y a derrière tout cela, des profits, euh, voilà par des millions de dollars pour enrichir les musées. Euh, S'il n'y avait pas des acheteurs, il n'y aura pas des vendeurs non plus. Donc il faut faire le, à juste titre justement faire la, la part des choses. Aujourd'hui, pensez à remplir le ventre avant de remplir les proches. Pour poursuivre pour, sur cette euh, thématique, le, le, on évoquait avant l'idée la, la, que Daesh n'était peut-être pas aussi... Euh, enfin, que sa méthode de... de de détruire volontairement à dessein ces, ces pièces-là et cette, cette, ces emblèmes du patrimoine, ce n'est pas forcément quelque chose d'inédit, mais ils en ont fait d'une certaine manière leur marque, hein, euh, puisque ben, précisément c'est leur, leur volonté d'éradiquer de, de, ça. Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu dans un jeu de dupes ici, parce qu'eux qu savent, euh, parce que dans leur... Dans leur dans leur plan média euh, mondial, que ça va provoquer précisément la réaction que ça provoque. Euh, nous, on prend un air, nous occidentaux ou, ou européens, un air accablé parce qu'ils le font. Donc, on ne fait qu'encourager cette sorte de, voilà, de, 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 de mise en avant de ces objectifs. Euh, est-ce que, est-ce que tout ça, c'est pas une sorte de grande, de, et en même temps. On a les, les moyens de protéger tout ça, mais on le fait pas. Euh, euh, Est-ce qu'on est, qu est dans une sorte de, de jeu de dupes général, Géraldine Chatelard Je ne suis pas sûre qu'on ait les moyens. On a, on a des instruments. Allez, go. Euh, non, on a des instruments juridiques. Euh, bah, je, moi, je ne je, je, je tra travaille pas pour le CICR. Euh, mais enfin, je crois quand même que ce n'est pas très évident de faire appliquer ces, ces instruments euh, bon parce que voilà, c'est du droit humanitaire international. Et donc, soit on fait du plaidoyer discrètement, comme le fait le CICR, pour essayer de convaincre les gens, mais on ne peut pas leur envoyer les casques bleus ou, euh, ou une armée pour, euh, pour les obliger à ne pas à s'attaquer pas au patrimoine. Donc, on a des moyens limités, déjà. Euh, alors, après, est-ce que c'est un jeu de dupes ben Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est politique. Hein. Bon, en, en effet, l'iconoclasme, le, le, Monseigneur le sait bien, ça a été très très répandu à l'époque chrétienne, enfin, à l'époque byzantine. Il y a eu beaucoup d'iconoclasmes byzantins, après il y a eu l'iconoclasme musulman, et puis tout le monde a continué à à, à s'attaquer aux représentations culturelles que faisaient les uns et les autres. Donc ce pas nouveau, Daesh n'est pas nouveau, ce qui est nouveau en effet, c'est les moyens techniques et la capacité de médiatiser tout ça et la volonté que euh, l'État islamique a eue de, de, à la fois de montrer ça comme un outil de, de propagande euh, pour euh, gagner des... des euh, euh, enfin, pour faire des émules, hein. c'est pas uniquement que ça a été destiné aux gens comme nous qui ont trouvé ça absolument épouvantable, c'est à dire que ça, 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 ça a aussi répondu à euh, euh, ça, ça, a fait écho chez certaines personnes à euh, euh, un, un désir de s'attaquer à ces symboles là. Il y a, il y a quelque chose derrière, c'est pas un hasard. Bon. Moi, mon boulot en tant qu'anthropologue, c'est de comprendre comment les gens pensent collectivement. Ça ne veut pas dire que je leur trouve des excuses. Pas du tout. Moi, je suis comme vous. Quand je vois la destruction du patrimoine, je, je, je suis terrifiée. Mais je fais l'effort de comprendre comment les gens peuvent en arriver là. Et dans le cas de l'État islamique, il y a des tas de raisons qui, dans la rationalité de cette pensée-là, font que on a de bonnes raisons de s'attaquer à ce qu'on voit comme une expression du paganisme ou d'autres choses, hein, ou de l'hérésie, ou voire du nationalisme. Hein. Dans, dans le cas irakien, c'était très clair, c'était aussi une manière de s'attaquer au symbole de ce qui a été utilisé par le régime politique de Saddam euh, comme euh, euh, en représentant une nation irakienne. Hein. Il y a tout ça à la fois. Bon, alors. Que nous, euh, on réagisse, oui, c'est un, un jeu sans fin. Et je ne pense pas qu'un jour, euh, on arrivera à avoir un, un consensus général sur le fait qu'il ne faut pas s'attaquer aux biens culturels, même si on ne reconnaît pas ces biens culturels comme étant son propre patrimoine. Hein voilà, mais c'est une manière de respecter ce que d'autres peuvent considérer comme faisant partie de leur histoire et de leur identité. Mais justement, c'est ça qu'on attaque dans les guerres de plus en plus aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'on va vers un moment où euh, on va moins s'attaquer au patrimoine dans les conflits. Bien au contraire. Très bien. Je vous propose peut-être d'ouvrir la, la discussion à la salle. Euh, on a sans doute des, des micros qui sont par là. Je ne sais pas si, euh, dans un premier temps, Nicolas, tu avais envie d'intervenir dans le dans le débat ou peut-être qu'on laisse ça pour la suite. Après, très bien. Alors ici madame. Oui. Anna Aznaou, journaliste indépendante. Ma question s'adresse à ma première question s'adresse à l'archevêque de Mossoul. Il y a tout juste une année, vous étiez à Genève pour signer la déclaration des euh, des droits euh, lancée par la ville de Genève, par le, le maire euh, Sami Kanan. C'était une in initiative politiquement tout à fait innovatrice, pionnière, dont le but c'était justement de protéger, de, de, de faire alliance entre les villes pour protéger les patrimoines culturels. Alors ma question c'est, c'était il y a une année, vous étiez ici avec le maire de Mossoul depuis une année, où est-ce que vous en êtes à Mossoul Et ma deuxième question s'adresse au réalisateur, M. Vadimov. Euh, oui, <laughs> Alors, je voulais savoir, dans le film, à un moment donné, donc on, on assiste à la scène où l'archéologue suisse, je crois, rencontre l'officiel palestinien pour discuter de l'ouverture de, de ce musée à Gaza. Euh, J'aimerais savoir où, où, où ils en sont de ce projet ou si c'était juste une ruse pour voir l'Apollon. Merci. On prend peut-être une autre question et comme ça on pourra y répondre d'un coup. Oui, bonsoir, je m'appelle Fitoré. En fait, moi, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais en voyant ce film, j'ai envie de dire, d'inverser, de faire un jeu de mots, de dire aussi, euh, les patrimoines culturels sont aussi otages de guerre. Parce qu'en voyant ce film, on voit bien que, euh, en voyant bien les Gazaouis, comment c'est une espèce de possession, en fait. C'est aussi une possession de prouver les origines de ce peuple qui a aussi de la peine à, 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 à rester, à, à se confirmer en tant que tel. Moi, je suis d'origine du Kosovo. J'ai grandi dans un pays où on nous a toujours dit qu'on n'appartenait pas à la terre dans laquelle on vivait. Donc on a grandi avec ces, ces notions qu'en trouvant des objets de patrimoine en fait, anciens, on prouve aussi nos origines. Euh, donc en gros aussi la possession de la terre et de, de, des anciens. Et c'est là où, en fait, on sait très bien aussi par rapport aujourd'hui la guerre en territoire occupé, donc la preuve aussi des, des parchemins trouvés en Israël. Et c'est aussi un moyen, un outil pour prouver comme quoi, comme quoi la terre appartient au peuple israélien. Donc ça, c'est aussi, je veux dire, pour moi, le, de, de dire, c'est qu'il ne faut pas juste voir en tant que victime de guerre, mais c'est aussi un moyen, si j'ose dire, de guerre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait un jeu de, de mots en disant « otage de guerre », en fait. Voilà. Très bien. Cette, cette question peut-être aussi sert sur la, la, cet héritage euh, qui est une, <laughs> enfin, voilà, une, une, une preuve, une affirmation de l'appartenance d'un peuple à une terre, d'une connexion immédiate, évidente et sans, incontestable, en fait. Est-ce que quel, quel poids vous accordez à cette, à cette question non, pas peut-être en tant que, que, que juriste, mais euh, non, en non, tant mais que euh, voilà comme auteur des conflits, comme ouais. moyen de, de, de les exprimer. bon, tout à fait, on sait très bien que euh, dans le conflit palestinien-israélo-palestinien, enfin, l'archéologie, c'est un énorme enjeu. enfin, euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est comme ça depuis, euh, <coughs> depuis longtemps. et il faut toujours faire très, très attention, je pense, euh, dans, dans cette partie-là du monde, avec tout ce qui est découverte archéologique et qui, qui les réclame pour soi euh, mais encore une fois je euh, je pense que c'est otage oui mais aussi encore une fois c'est une question de vouloir éliminer aussi la culture de l'autre je pense souvent alors dans le cas de gaza maintenant c'est je pense pour moi enfin je voyais ça plutôt comme... Moins peut-être qu'une question d'origine et tout ça. Alors c'est vrai qu'il y avait des gens qui parlaient de ça, mais pour moi il y avait quelque chose aussi de quelque part la fierté des gens qui disaient ben vous voyez même dans la guerre même dans tout ce qu'on a de plus démuni de toutes les privations il y a aussi de la beauté qui a été créée ici. Euh, on est aussi euh, c'était intéressant le journaliste qui disait ben voilà tout d'un coup on parle de Gaza donc il y avait, il y avait toute cette, toute cette, tout cet aspect là aussi finalement. Euh, qui je pense était qui je pense était vraiment enfin que moi j'ai vu comme important pour les gens euh, à Gaza mmh. y compris d'ailleurs si je peux me permettre de la, de la part du faussaire lui-même hein, qui avec ses moyens euh, les moyens du bord qui contribue lui aussi d'une certaine manière à poursuivre cette, cette culture et à fabriquer des, des biens culturels quoi. ce qui est aussi enfin voilà cette, 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 cette sorte de, de de ce bricolage comme ça de l'identité de qui est très frappant. Euh, bien, en, de, en deux mots, on est Mossoul. Donc, pour répondre à votre question, je vous félicite pour votre mémoire, justement très près. Et effectivement, un an après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. C'est vrai, Daesh n'est plus là, physiquement. Bon, il est caché d'une manière ou d'une autre, mais. Quand, idéologiquement, il euh, est toujours là. Donc Daesh n'est pas mort en réalité. Il est toujours vivant et il est euh, comme les cellules dormantes, hein, déjà pour euh, réagir plus tard euh, avec les occasions adéquates. Et alors, la signature qui nous a poussé vraiment à travailler main dans la main, ensemble, et aujourd'hui on voit grosso modo les fruits, euh, un an après, que lui-même, comme maire de Mossoul, euh, il a fait beaucoup, et moi-même, par hasard, depuis deux mois, je suis archevêque de Mossoul et je travaille. Je suis natif de Mossoul et j'ai fait beaucoup euh, de bâtir des ponts entre les religions, entre les ethnies, euh, un peu abolir un peu les remparts entre les êtres humains et aller vraiment euh, en avant pour euh, serrer la main des uns des autres, pour parler avec eux de ne plus avoir peur, de casser un peu les barrières de la non-confiance entre les peuples. Et euh, aujourd'hui, lui a pris une décision, par exemple, d'arrêter hein, les prêches dans les salles ou dans les mosquées ou dans les mausolées euh, des prédicateurs de malheur, hein, ou les prédicateurs qui prêchent la violence et la haine, et ce qui est un pas extraordinaire. Hein. Et un des prédicateurs, justement, dans, euh, dans une mosquée.. Euh, il a commencé à dire euh, un peu des, des gros mots contre euh, les impies, les incrédules, les chrétiens, etc. Et même pas dix minutes après, euh, la police l'a appris, et on l'a amené à la mairie, justement devant cette personne qui a signé avec moi. Et donc, euh, il l'a dénudé de ses vêtements religieux. Et il a dit c'est la dernière et la première fois qu'on vous permet cela. Euh, vous êtes privé de votre salaire pour ce mois, parce que là-bas, c'est le gouvernement qui paye pour les moulins. Et euh, après, il dit Vous n'avez plus le droit pendant un mois d'aller prier. <laughs> Donc, l'interdire de, de prier, c'est quelque chose de très grave pour lui. Il dit Seulement dans votre maison, c'est permis, mais en dehors de ça. Dans... Alors, pour dire aujourd'hui, s'il y a la loi, euh, les gens marchent. Donc, il faut se montrer plus fort que la, les terroristes. Et je dis toujours Il faut terroriser les terroristes par la loi. <coughs> terroriser les terroristes, euh, non pas pour les tuer, mais pour les éduquer, pour les former du nouveau, parce qu'il y a une déformation intellectuelle, spirituelle, et même en Europe, vous savez, aujourd'hui, euh, de plus en plus, on devient un peu laxiste par rapport à la violence. Combien de gens, c'est pareil en Orient, hein, combien de, de meurtres qui ont été commis, hein, des centaines contre les chrétiens, et plusieurs milliers contre les Yézidis, les pauvres Yézidis, plus que 8000 hommes euh, décapités et tués, et plus que 4500 femmes qui ont été réduites à l'esclavage, comme Nadia Mourad que vous avez montré, c'est extraordinaire. Donc, euh, qui fait la justice pour ces gens-là Donc aujourd'hui, à mon avis, quand il y a de la violence, il faut savoir être plus fort que la violence pour l'arrêter, la maîtriser et l'éduquer et l'Europe, je crois j'ai peur pour l'Europe beaucoup plus que j'ai peur pour l'Orient pour en ce qui concerne le droit de l'homme et, et on a tout perdu mais il ne faut pas se permettre à tout perdre non plus ici parce qu'il y a quelque chose d'humain qui se perd sous prétexte, on respecte la, la, la liberté individuelle mais on n'est pas euh, en train de, de préserver un petit peu la, la liberté nationale la liberté des autres, la liberté des innocents donc aujourd'hui, être sévère, être dur, être ferme contre euh, les, les meurtriers, contre ces, ces criminels, aujourd'hui, c'est vraiment faire de bonnes choses pour l'avenir de l'humanité. Et d'où vient justement notre travail musulman et chrétien aujourd'hui à Mossoul, de travailler main dans la main pour bâtir des ponts entre, entre, les, entre les humains et aussi aller au-delà des confes de confessions et parler de l'humanité et l'humain qui nous unit. Je vous donne seulement un petit exemple pour continuer cela. Dans notre église des dominicains, donc latine à Mossoul, où on l'appelle l'église de Sarah. Sarah, ça veut dire l'horloge, la première horloge qui est rentrée en Irak, offerte par l'impératrice Eugénie en 1880, aujourd'hui est pillée complètement, dénudée, humiliée. Et quand je suis rentré après la libération, qu'est-ce que je trouve À la place de l'hôtel où on célébrait et on prêchait la paix et l'amour et le pardon, à la place de l'hôtel qui a été enlevé, ils ont mis un gibet pour euh, pendre les gens. Il y avait encore du sang frais. Et un autre lieu symbolique, dans la même église, on avait... Euh, lancé, on avait fait un, un petit euh, ensemble, une salle d'exposition euh, Gal, Art Gallery, qui est très très beau, vraiment une beauté superbe et un autre JB pendu dans la, euh, la salle de l'art, hein, l'exposition donc c'est très euh, significatif à la place du spirituel on pend les gens, on tue les gens, on tue la liberté de penser et à la place de l'art on tue l'art, ça veut dire qu'on est en train de tuer l'humanité. Les deux, le spirituel, chaque être humain, qu'il soit croyant ou pas, a besoin du spirituel. On ne peut pas dire qu'il je suis athée. Être athée, c est, c est, ça veut dire reconnaître, euh, d'une manière innée, d'une manière ipso facto, euh, qu'il y a un dieu. Donc, on a besoin de, de, de repos, du calme, de spirituel, pour pouvoir discerner la violence qui est dans le monde et la combattre. Je ne sais pas ouais, le. Pardon Ah, tu veux, tu veux y répondre maintenant mmh, Peut-être, oui, oui, très bien, allons-y. Voilà, merci. Euh, alors, pour répondre à la question sur cette, cette histoire de, de, de musée, euh, ça fait référence à un, à un projet qui a vraiment existé. Euh, en 2008, il y a une exposition qui s'appelait « Gaza, la croisée des civilisations » qui a été mise sur pied à Genève. Une exposition très importante qui a réuni les collections euh, de l'école biblique de Jérusalem hein, euh, concernant Gaza. Et, voilà, et aussi euh, les, co les collections de, du monsieur qu'on voit dans le film, euh, Jodat Rolare, le, le monsieur assez imposant. Voilà. Et euh, suite à cette grande exposition qui a jeté la lumière sur Gaza, qui a permis de désenclaver un peu Gaza... Il y avait le projet de la ville de Genève éventuellement qui a été mené à l'époque par Monsieur Muni d'ouvrir un musée, euh, enfin, d'aider à la réalisation d'un musée à Gaza. Voilà, dans lequel toutes ces collections auraient été concentrées, et ce qui aurait permis aux Gazaouis d'avoir un vrai regard sur leur patrimoine. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, compte tenu de la situation, euh, l'exposition qui devait revenir à Gaza et peut-être faciliter aussi la construction d'un musée est bloquée au port franc maintenant depuis un, une dizaine d'années. Et elle-même, un peu, est devenue apatride et en déshérence Et on espère qu'elle pourra regagner Gaza et que peut-être un jour, il y aura ce musée. Voilà. Donc, ce n'était pas une ruse. Ce n'est pas seulement une ruse. Voilà. voilà, voilà, le micro arrive. Voilà, bonjour. Je m'appelle Malik et je suis du Liban. J'ai vécu des guerres, des occupations, euh, des guerres civiles, enfin toutes sortes de choses. Donc le vol du patrimoine, je sais très bien ce que c'est. Et j'ai même participé à la protection du patrimoine. Mais j'ai deux questions. La première est adressée à Nicolas et Béatrice. Pourquoi, dans le fil, vous n'avez pas euh, posé des questions à des gens qui se prévalent officiellement du Hamas il n'y a que le ministre qui, lui, on sait qu'il appartient au Hamas, mais il n'y a personne qui s'affiche officiellement du Hamas et qui expose sa position. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je pense que quand vous parlez du patrimoine universel, et monseigneur, quand vous parlez de la porte stars que je viens de voir il y a un mois à Paris aussi, euh, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la mémoire locale et il y a le patrimoine universel la mémoire locale est une mémoire qui reste sur place et qui appartient à tout le peuple et que monsieur et madame tout le monde peuvent voir et qui appartient à tout le monde et qui lui ne peut pas partir, y compris la mythologie ou le mythe, peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ça fait partie. tandis que le patrimoine universel dont vous parlez, qui effectivement est protégé dans les grands musées à berlin, à londres, à paris, etc., il n'appartient... Une élite internationale et il n'appartient plus au peuple, il n'appartient plus à la culture locale. Où mettez-vous la différence et la ligne de frontière entre la mémoire et le patrimoine universel Merci. Il faut y répondre. <laughs> Géraldine, peut vous Oui. Je vous remercie de cette question qui moi me touche tout à fait et euh, euh, je... il y a effectivement une, une, une mémoire locale euh, qui euh, s'attache aux objets d'une manière différente. Alors on va prendre l'exemple du site de Babylone que je connais assez bien. Euh, la porte d'Ishtar en Irak, tout le monde la connaît. Il hein. euh, y, y en a une, une, une reconstitution, mais à petite échelle, à l'entrée du site de Babylone. Mais tout le monde, y compris des gens assez peu éduqués, savent qu y a, euh, est que l'original a été remonté au musée de Berlin. Tout le monde ne connaît pas le nom du musée Pergamon. Mais... En même temps, sur le site de Babylone, il y a des gens qui vivent. Il euh, y a des villages qui vivent. Et en ce moment, le gouvernement irakien est en train d'essayer de, enfin, de faire nommer le site de Babylone au patrimoine mondial. Parce que figurez-vous, aussi étonnant que ça puisse paraître, Babylone n'est pas sur la liste du patrimoine mondial. Il y a des raisons pour ça. Hein. Il y a eu des tentatives précédentes. Ça n'a pas marché. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de tout ça. Euh, mais. Euh, c'est un problème parce qu'il y a des gens qui vivent sur le site. Il y a deux gros villages qui sont installés sur le site depuis déjà un certain temps. En particulier, il y a un village qui a été installé à la fin du 19e, début 20e. C'était les ouvriers qui étaient venus aider la mission allemande qui commençait à, à excaver le site. Et puis, ben, ils sont installés, ils sont toujours là. Et maintenant, quand vous montez un dossier de nomination au patrimoine mondial, on vous dit, ah, mais... C'est ennuyeux, vous pouvez pas mettre ce village sur le, les frontières du site, mais en même temps, sous le village, il y a des antiquités babyloniennes. Idéalement, il faudrait quand même évacuer les gens. Ce qu'on ne fait plus, parce que c'est plus politiquement correct aujourd'hui de faire des choses comme ça. Mais jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, c'est ce qui se faisait couramment. Hein. On, virer les populations, c'est-à-dire que toute la mémoire locale, tous ces gens-là ont une histoire sur le site de Babylone. Si vous leur parlez de Babylone, ils vont vous raconter tous leurs souvenirs d'enfance, hein, où ils connaissent les antiquités mieux que vous et moi, seulement ils ont une autre histoire à raconter dessus. Ce n'est pas l'histoire universelle, c'est l'histoire locale. Et sur tous les sites archéologiques, il y a ça, partout dans le monde en particulier dans les pays où on n'a pas, comme en Europe depuis le 16e siècle, puisque c'est là que ça commence, au 16e siècle en Europe, construit cette idée du patrimoine. L'idée du patrimoine, ce n'est pas quelque chose qui est tombe du ciel. Je veux dire, il y a une histoire de l'idée du patrimoine. C'est une relation aux choses, le patrimoine. Et il y a cette relation individuelle, il y a une relation universelle. Alors, le droit international, il protège avant tout l'universel. Mais l'universel, moi, j'y mets un grand point d'interrogation. L'universel, c'est essentiellement l'occidental. Hein voilà. Euh, euh... Après, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir qui serait beaucoup trop longue pour ici. Mais euh, c'est. Pour moi, c'est le cœur de la chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec la manière dont Nicolas parle du patrimoine de Gaza. Je suis pas d'accord. Je pense que pour les 99% des Gazaouis, cette statue n'est pas du patrimoine, n'est pas leur patrimoine. Elle appartient à l'histoire peut-être de Gaza. Il faudrait le prouver encore si réellement elle vient de là. C'est l'histoire de Gaza, mais c'est pas leur histoire. Voilà, donc il euh, y, y, y a tout ça, on, va, c est, c est, c est... on pourrait en discuter pendant des heures. <laughs> voilà le réalisateur pris en tenaille euh... entre le Hamas d'un côté et une intervenante de l'autre. <laughs> c'est très compliqué. Euh, bon, d'abord, euh, une chose très importante, ce n'est pas la, la, la manière dont nous en parlons, c'est la manière dont ils en parlent. C'est très 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 différent. Euh, on fait un documentaire, on ne sait pas approprier leur histoire pour en faire un discours. Il n'y a pas une voix-off qui, qui souligne ou qui infirme euh, ce qu'ils disent. Euh, c'est la manière dont ils voient cette histoire-là. Ça, j'y tiens vraiment. Euh, moi, personnellement, et je pense Béatrice, c'est pareil, on n'a pas un, un, une, une, une opinion particulière, à savoir est-ce que cette statue appartient au patrimoine de Gaza, est-ce qu'elle appartient au patrimoine euh, hellénistique. Est-ce qu'elle appartient euh, justement euh, aux Phéniciens Est-ce qu'elle appartient à l'islam Est-ce qu'elle appartient au judaïsme Ce, ce débat-là, je pense qu'il n'a pas, à mon sens, beaucoup d'importance. Cette statue a été trouvée. Ah ben, elle, à mon sens, la manière, là où s'inscrit le film, elle n'en a pas. Elle en a sans doute pour vous, mais pour le film, elle n'en a pas. Je pense que cette, cette statue. A été trouvée dans un endroit, dans un territoire géographique donné, dans un espace-temps donné, qui à ce moment-là, le jour où elle apparaît, correspond à ce que des gens ont envie de voir ou d'entendre, ou de, malheureusement de, peut-être de ne pas voir, ils ne peuvent pas la voir, mais ils se l'approprient. Et le fait qu'ils se l'approprient, ni vous, ni moi, ni personne ici ne peut l'enlever à ces personnes. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Après, je vais juste répondre. Euh, à Malek concernant le, le Hamas. Mais dans ta question, il y a la réponse. Euh, on a vu une personne du Hamas et la personne en charge des questions de l'Antiquité à Gaza, c'est la personne qu'on a vue. Donc on a justement tenu à un moment donné à ce qu'il y ait un peu cette voix officielle et elle est dans le film, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est celle qu'eux ont voulu avoir, encore une fois. Euh, on ne peut pas faire dire aux gens ce qu'on a envie peut-être que nous qu'ils disent. Ils disent ça et c'est ce qu'ils ont envie de dire à ce moment-là. Après, il y a une autre chose, c'est que la statue, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on est plus dans des zones grises que dans des choses aussi très claires comme on aurait envie peut-être nous qu'elle soit. Elle n'est ni vraiment dans les mains du Hamas, ni vraiment dans les mains d'un groupe armé. Elle est un peu dans tout ça à la fois. Voilà. Et les frontières entre Hamas et les brigades sont assez poreuses. Voilà. Et après, il y a une autre chose. Je le disais avant, on n'est pas des, des aventuriers ni des, des policiers. Et surtout, on n'est pas des agents du Mossad non plus. Et s'approcher de la, de, de la statue le plus, c'est s'approcher des brigades. Et c'est s'approcher des, des gens qui sont les plus recherchés par Israël. Et le risque qu'on courait quand on faisait le film, c'est que plus on était insistant sur la recherche de la statue, plus on éveillait les soupçons. Et ça, on l'a très très bien senti. Et éveiller les soupçons, ça veut dire, pourquoi vous y tenez tellement à cette statue Est-ce qu'elle est si importante pour vous Ou est-ce que c'est les gens qui la détiennent qui sont importants pour vous Et là, ça devenait un peu compliqué. Voilà. Du coup, j'ai une toute petite pour Malek. Merci pour votre question. Les frontières entre là et là. Je vous donne un petit exemple que j'ai vécu moi-même avec une petite équipe des Français. Ils sont venus pour visiter le site de Ninive. Alors, pour arriver au rempart, on est obligé de passer par un petit ravin comme ça, où ils mettaient jadis de l'eau pour empêcher les ennemis de s'approcher. Alors, je trouve une stèle. De 2 mètres ou 2 mètres et demi à peu près, 50, et on est obligé de passer dessus pour arriver euh, au rempart. Il n'y a pas d'autre moyen. Et alors je regarde, cette stèle est, est pleine d'écritures euh, cuneiformes qui remontent au moins 2000 ans avant Jésus-Christ, hein, de l'Empire assyrien euh, très, très ancien. Et alors euh, on est obligé de march marcher sur l'écriture et cette écriture est presque, euh, commence à être effacée complètement. Donc, c'est une page, et personne n'a traduit cela. Personne n'a travaillé cela. Donc, c'est une page d'histoire euh, en risque. Elle est en train d'être effacée à jamais. Donc, euh, j'ai demandé le, le, le petit euh, euh, berger qui était là pour garder. Donc, je dis, monsieur, s'il vous plaît, il faut alerter quand même le musée de Mossoul pour au moins le renverser comme ça, marcher sur le dos et non pas sur l'écriture pour l'avenir. Elle dit, bah, monsieur, on en a tellement. On en a tellement, effectivement. Donc, Apollon, je crois, c'est euh, voilà un grain de sable dans, dans un désert. Il y a, vous savez, d'après les archéologues en, en Irak, vous confirmez ou pas, le, le directeur du musée de Bagdad, il dit, il y a 500 000 sites historiques en Irak qui n'ont pas été encore découverts. Donc, ceux qu'ils ont pillés, remplis les musées, bah, on en a beaucoup encore. Faut pas s'inquiéter, il y en a quand même 500 mais certains tout petits quand même. Moi j'aimerais bien juste réagir à cette, à cette presque une opposition entre l'universel et le, le local, et je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement euh, c'est presque un peu reproché à l'universel que c'est trop élitiste et pas près des gens, etc. Mais je trouve que c'est un peu. Ce serait quand même un peu dommage si on n'avait pas ces grands sites archéologiques, ces fouilles du 19e siècle, aussi orientalistes soient-elles été. Mais bon, c'est quand même des belles choses qu'on a trouvées. Et je trouve qu'il ne faut, il faut pas non plus diminuer ça en disant ben, les gens, pour les gens, pour les gens, ce n'est pas très important, etc. Je trouve que Quelque part, même si c'est pas important pour eux, je trouve que c'est quand même important pour l'humanité. Et l'autre chose que je veux dire, et puis là c'est quand même l'humanitaire et la juriste en moi qui ressort, c'est quand vous disiez, euh, le local, il n'est pas protégé. Et en fait, et je n'y ai jamais pensé comme ça, mais le droit international humanitaire, évidemment, protège tout bien civil et toute personne civile, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que chaque maison de votre village à Babylone est protégée déjà. Par le droit international humanitaire, personne n'a le droit de l'attaquer, personne n'a le droit de la piller, et personne n'a même le droit de la déplacer. Donc, donc quelque part, c'est vrai que la protection des biens culturels, c'est quelque chose qui vient en plus. Mais le droit humanitaire international, il, est, ben, il protège toute l'humanité, justement, et toute petite. Non, la, la question, c'était est-ce qu'il est qu protège aussi les repas gastronomiques français C'était ça, là-bas. <laughs> Euh, très bien, je crois qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être ici. Merci. Euh, Benoît Chenu, chercheur universitaire. Euh, une ma... Enfin, une question une, une observation euh, sur la question de l'universalité. Je crois qu'on on met l'accent ici sur euh, comment est-ce qu'on peut protéger euh, le patrimoine des biens culturels, euh, qu'ils soient matériels ou immatériels, et, et, et j'abonde dans cette. De pensée critique sur ce qu'est l'universalisme. On a l'impression qu'il s'agit de, de défendre un patrimoine, un patrimoine qui a été systématiquement détruit ces dernières années. Je voulais juste nous, nous rappeler les événements de 2003. Lors de l'invasion américaine, euh, euh, il y a eu une protection de certains sites par l'armée américaine du, des ministères de la pétrole, du pétrole, alors que les musées, de, musées nationales ont été complètement abandonnés. Donc, euh, n'oublions pas, on a des... Des, des, des angles morts ou des points aveugles dans notre vision de ce qu'est la, la protection du, 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 du patrimoine. Donc n'oublions pas ça. Euh, et, et la question, elle est sur l'UNESCO. Comment est-ce que l'UNESCO a été hostage de manière historique, euh, aussi bien pendant la guerre froide, euh, où les États-Unis s'étaient retirés de, de l'UNESCO, ensuite revient maintenant la, la Palestine reconnue dans, euh, dans, dans, comme membre des Nations Unies. Ça crée toute une, une guerre politique autour de l'UNESCO. Dans quelle mesure ces... Politique pour protéger euh, le, le, les biens culturels, matériels et immatériels. En quelle mesure elles sont victimes de ce jeu politique une, une réponse ou est-ce que ça, ça appelle une réponse selon vous de, 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 de La menace est-ce que est-ce que le, le résultat final des délibérations de, de, de l'UNESCO délibération peut dépendre de ce type de menace et de, bah, de pression cas, politique pour, pour, pour ce qui est en effet de, des choix. À, Militaro-politique stratégique qui sont faits lors des conflits, il est, il, il est bien clair qu'il y a des priorités et qu'en effet, le ministère du pétrole et ses archives, c'est plus important que le musée euh, ou, euh, ou les archives euh, des bibliothèques et des autres, ou de, de certains musées secondaires. Alors, euh, l'armée la, américaine, depuis, qui s'est fait taper sur les doigts, malgré tout, bien que disant qu'elle n'a qu'elle n'a pas de leçon de recevoir, euh, enfin de leçon de recevoir de personne, et, et est en train d'intégrer dans ces... Euh, enfin bon ça, il y, y, y a déjà ce que vous connaissez sans doute mieux que moi, euh, ce, 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 cette manière d'identifier des cibles ou, ou, ou des bâtiments qui ne doivent pas être ciblés par, euh, par l'armée, mais ils sont ils sont en train d'intégrer aussi le patrimoine, le patrimoine immatériel dans des, des, des euh, métriques pour mesurer la stabilité euh, lors des conflits. Enfin bon, euh, je pense que ça se reproduira dans d'autres contextes, c'est fort probable. La question de la manière dont, oui, bien sûr, les, les, les institutions internationales, c'est des arènes politiques, donc elles-mêmes, elles sont aussi, euh, on peut dire, peut-être otages de, de, des, des, des relations internationales. Hein. Euh, la question de Jérusalem à l'UNESCO, c'est pas une petite question, c'est une question centrale de la protection de Jérusalem. Mais bon, euh, et, et les Américains se sont à nouveau retirés en effet de l'UNESCO après que la, la Palestine en soit devenue membre. En tout cas, pour parler oui, oui, oui. Pour, du musée, vous avez bien fait pour le signaler. Merci. Euh, J'étais en vraiment un bon rapport avec le directeur de ce musée qui est mort qui a été assassiné plus tard il a raconté effectivement pendant une semaine hein, tous les ministères du pétrole etc de finances étaient protégés et le musée était abandonné donc ce qu'ils ont montré dans les médias c'est le pillage hein, où des gens euh, les portes sont cassées etc c'est le pillage mais une semaine auparavant rien dans les médias et tout le musée était pillé Auparavant, avant de le, de le montrer dans les médias. Alors, lui, il a dit euh, vous savez, on a des copies souvent en réserve, les, les originaux, on, on les cache et on met des copies. Et au cas où il y a des originaux et à côté d'une copie, les copies sont restées intactes et les originaux ont été volés. Donc c'était euh, c'était pillé par des euh, experts, par des gens. Ils savaient ce que pour les manuscrits, la même chose des manuscrits qui remontaient en hébreu, qui remontaient, je ne sais pas, peut-être 200-300 ans avant Jésus-Christ, en parchemin. Il est tout de suite disparu de la bibliothèque et ainsi d'autres parchemins et autres. Donc il y a des professionnels, il y a des groupes mafieux derrière tout ça. Donc aujourd'hui, si on ne veut pas s'attaquer à ce pauvre homme qui a caché Apollo, le pauvre, il n'a pas un sandwich à manger, il veut un peu améliorer, devenir comme Alibaba, s'enrichir par le trésor. Aujourd'hui, il faut attaquer vraiment aux racines des problèmes et non pas attaquer à ces, ces gens qui, euh, qui vendent, qui essaient de s'enrichir ou vivre et survivre. Donc, ces gens qui vivent dans ce petit village de Babylone, c'est pour leur construire quand même euh, des, 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 des magnifiques villas, hein, les aider. Pourquoi on les laisse dans, dans des petites caravanes comme ça de trois fois rien euh, Allons-y. Je, 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 je pense que la pauvreté, c'est un facteur parmi d'autres. Je pense que là, on parle beaucoup du Moyen-Orient, mais c'est bien au-delà de tout ça. Il y a une faillite euh, de la manière dont. On va ouvrir encore une autre grande porte. Euh, les, les, euh, euh, les, les États issus du colonialisme, dans la période postcoloniale, euh, il y a une faillite de la manière dont. On a essayé de construire cette idée d'un patrimoine commun. Euh, alors bon, ça, c'est pas fait parce que les régimes politiques n'étaient pas les bons. Hein. Quand on essaie d'imposer par la force une identité nationale avec un patrimoine unique et qu'on nie l'identité de tout un tas de groupes dans le pays qui, eux, estiment qu'ils ont aussi un patrimoine, mais... Au niveau national, on ne veut pas en entendre parler, ben ça crée des problèmes. De toute façon, il y a eu une construction autoritaire de l'idée de patrimoine dans la plupart de ces pays-là. Ce qui fait que ben, cette idée de patrimoine, elle est aussi contestée de toutes parts. Donc, Gaza, c'est un cas particulier, où la Palestine, de manière générale, a son histoire à elle, c'est un cas particulier aussi. Mais c'est particulièrement fort dans ces pays qui sont issus de la colonisation. Moi, je donne toujours un, un, un contre-exemple au Moyen-Orient. Je dis les Iraniens, ils n'ont pas ce problème. L'Iran, c'est un pays qui n'a pas eu des gros problèmes à définir ce que c'était que son patrimoine. Il y a eu une révolution islamique, ben, ça n'empêche pas que, même au niveau national, au niveau du discours politique, on soit capable de combiner. Assez harmonieusement, euh, l'idée d'une longue durée historique respectant euh, euh, les sites archéologiques et le patrimoine achéménide, hanté, islamique, etc. Et puis le patrimoine islamique, ça marche. Hein. Mais dans les pays, il y a d'autres pays où ça marche beaucoup moins. Et là, il y a un travail à faire. Pour que les gens disent oui, ça c'est notre patrimoine. Moi je vis depuis 25 ans en Jordanie, c'est pas un pays où il y a des conflits, c'est un pays qui est la caisse de résonance des conflits voisins, mais c'est un pays stable. Bien, il y a un problème sur la construction de l'idée qu'on se fait du patrimoine. Parce qu'il y a un problème politique autour de ça, et le problème politique il est dans. La, 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 la nature du pouvoir politique lui-même et la manière dont il intègre ou il n'intègre pas les éléments historiques, plusieurs groupes dans la nation, etc. Chez nous, ça s'est fait en Occident, c'est un travail permanent, la construction de l'idée patrimoniale. Mais tout le monde participe de manière assez saine. Mais là où tout le monde ne peut pas participer, il eh ben, y a un problème à définir ce que c'est que le patrimoine. Voilà, donc c'est pas uniquement la pauvreté, ça joue un rôle important, mais c'est pas le seul facteur. Très bien, merci du grain à moudre pour d'autres euh, <laughs> festivals des droits de l'homme. Euh, il me reste à, à, à remercier d'abord l'équipe du film, je suis désolé madame, on va, on va interrompre ici, et puis, et puis bien sûr nos trois intervenants. Merci, merci à tous. Le film sera en salle à partir du 27, mercredi prochain. Voilà, pour tous ceux qui veulent euh, ébruiter l'information. Merci.